Nous sommes ici au mémorial de la Shoah à Paris, juste à côté du mur des Justes. Et sur ce mur, parmi toutes les personnes qui ont aidé les Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale, qui sont inscrites, se trouve le nom d'une moniale orthodoxe. Elisabeth Skopsov, Mère Marie. Qui était cette moniale orthodoxe? Quelle a été sa vie? Ce fut une forte personnalité qui a laissé son existence dans la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, nous allons partir à la découverte de cette grande figure. Elisabeth Yurivna Pilenko, c'était son premier prénom. Est née en 1981 à Riga, qui se trouve aujourd'hui en Lettonie. Son enfance s'est passée dans la ville d'Anapa, au bord de la mer Noire, où son père possédait de belles plantations de vignes. Cette enfance, aisée et sans soucis, a beaucoup changé lorsqu'elle déménage à Saint-Pétersbourg. Poétesse talentueuse, elle entre très vite dans les cercles littéraires russes. Elle y fait la connaissance avec de célèbres poètes, futurs dissidents, comme Nicolas Goumilev, Anna Akhmatova. Elle devient une grande admiratrice du poète Alexandre Blok. On peut dire que ce fut l'une des grandes étapes de sa vie, car Blok fut pour elle un homme qui représentait le destin tragique de son peuple, la veille de grands bouleversements en Russie. Mais par ailleurs, elle était amoureuse de lui. Mère Marie, comme personne, comme poétesse, comme artiste, a beaucoup évolué sous l'influence de Blok. C'est lui d'ailleurs qui l'a introduite dans le cercle des écrivains et des poètes. Elle s'est retrouvée dans les milieux, comme on dit, de l'âge d'argent de la littérature russe, fréquentée par différents intellectuels, peintres et écrivains. C'est ce milieu-là qui l'a élevée. Peu à peu, elle entre dans le parti politique russe des socialistes révolutionnaires, très populaires à cette époque. Elle n'aimait pas leurs rivaux, les bolcheviks, ni leur leader, Lénine. Les pensées révolutionnaires étaient très à la mode. Tout le monde était très enthousiaste et voulait des changements. Mais finalement, lorsque la révolution de 1917 a éclaté, tout le monde a compris qu'il aurait été mieux qu'elle n'ait jamais eu lieu. Mère Marie a vu de ses propres yeux ces événements terribles. Elle décrit dans ses récits la tuerie des civils, les pillages, les viols. Au tout début, elle était une révolutionnaire très active. Elle voyageait beaucoup, elle donnait des conférences aux travailleurs des usines, parlait devant les rassemblements de son parti politique. Mais peu à peu, sa rage révolutionnaire a complètement disparu. Désillusionnée par la révolution, elle commence à s'occuper davantage des gens. Un jour, elle a même dit à sa mère, « Je pense que la Russie ne peut être sauvée que par le Christ. C'est la seule chose pour laquelle il faut prier maintenant. » C'est à ce moment-là qu'elle commence à écrire ses premiers poèmes et à peindre des sujets religieux. Extrait du livre « Le sacrement du frère » de Mère Marie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le Christ nous appelle à ce même amour. À l'heure du jugement dernier, l'homme aura à dire non pas comment il a sauvé son âme par un exploit solitaire, mais quelle a été son attitude envers son prochain, s'il l'a nourri quand il avait faim, s'il l'a consolé lorsqu'il était abattu, s'il l'a visité en prison de ses souffrances. Autrement dit, s'il aimait son frère. Le disciple du Christ, c'est celui qui aime le monde, donne son âme pour autrui, accepte même d'être séparé du Christ pour le salut de ses frères. À l'inverse, l'homme qui suit le chemin de l'égoïsme, fût-il sacré, ne s'occupe que de son propre salut, ne se sent pas responsable de la souffrance du monde. L'amour du Christ dont nous héritons est un authentique amour sacrificiel.
C'est le don total de l'âme. Non pour la retrouver avec des intérêts à mon profit, mais pour le bénéfice unique du prochain, en qui se révèle, par la grâce même de ce don d'amour, l'image de Dieu. Lorsque les bolcheviks sont arrivés au pouvoir, ils ont publié un décret comme quoi ils allaient persécuter tous les autres partis politiques adverses. Ainsi, d'après ce décret, signé par Lénine, les socialistes révolutionnaires devaient être arrêtés et éliminés. En étant socialiste révolutionnaire, la future mère Marie a décidé de revenir dans sa ville natale d'Anapa. Vous savez, cette période en Russie était complètement imprévisible. Le pouvoir civil des villes pouvait changer très vite. Un jour, il était entre les mains des Rouges, le jour suivant, entre celles des bolcheviks, ensuite entre celles des anarchistes. Comme la mère Marie était une personnalité assez célèbre, avec beaucoup de connaissances, on l'a choisie pour être maire de la ville d'Anapa. Et elle a accepté cette fonction sous le pouvoir bolchevique. Mais bientôt, la ville a été occupée par l'armée blanche sous la direction du général Denikin. Et elle a été tout de suite arrêtée pour collaborationnisme avec les bolcheviks. Et on a annoncé qu'elle serait jugée et pendue. Mais Dieu l'a sauvée. Un des chefs militaires de l'armée blanche, un officier d'origine de la région de Kouban, était tombé amoureux d'elle. C'était Daniil Ermolaïevitch Skoptov, qui deviendrait son mari. Il a payé un très bon avocat. De nombreux amis de Saint-Pétersbourg ont écrit des lettres de soutien. Et grâce à tout cela, elle a été innocentée. Mais l'armée rouge approchait. La plupart des villes proches ont été prises. La mère Marie, avec sa famille, a dû partir par un des derniers bateaux à l'étranger. Ils sont passés par le trajet traditionnel pour tous les migrants russes de cette époque, à travers Constantinople, la Serbie, pour finalement s'installer à Paris. Pendant ce trajet, mère Marie donne naissance à deux enfants, Yuri et Anastasia. Elle avait aussi une fille, Gaïana, issue de son premier mariage qui n'a pas tenu longtemps. En France, comme la plupart des immigrants, ils vivent au tout début dans une pauvreté extrême. En 1926, sa fille Anastasia tombe gravement malade de méningite. Elle est soignée à la clinique Pasteur grâce à l'amitié de mère Marie avec la femme d'un des médecins. Mais le traitement ne donna pas de bons résultats. La maladie était dans un stade trop avancé. Lorsqu'il fut clair qu'Anastasia allait mourir, les médecins permirent à mère Marie de rester dans la chambre, au chevet de sa fille. Nous avons un témoignage bouleversant de mère Marie qui dessine, heure après heure, sa fille en train d'agoniser. Le départ précoce de sa fille fut un moment décisif dans la vie d'Elisabeth Yurievna. On voit dans ses écrits combien cette mort la transfigure en une nouvelle personne. Elle veut désormais devenir moniale. Elle fut soutenue dans cette décision par le métropolite Euloge, chef de toutes les paroisses russes en Europe occidentale. Ainsi, après la permission de son mari, qui dut accepter de divorcer, Elisaveta Yurievna a été tonsurée. La cérémonie fut présidée par le métropolite Euloge lui-même, qui lui donna le prénom de Marie, en l'honneur de Sainte Marie égyptienne, sainte du 5e siècle, dont la foi ardente devait désormais inspirer Mère Marie dans sa vie de moniale au service du prochain. Extrait du livre « Le sacrement du frère » de Mère Marie. Nous sommes un moyen et non une fin. L'homme qui se tourne vers le monde spirituel d'autrui rencontre le mystère terrible et fécond de l'authentique connaissance de Dieu. En effet, il rencontre non pas la chair et le sang,
non pas des sentiments et des humeurs, mais la vraie image de Dieu en l'homme, l'icône de Dieu ébauchée dans le monde. Et l'homme doit accepter sans réserve ni condition cette révélation terrible. Il doit s'incliner devant l'image de Dieu dans le frère. C'est seulement lorsqu'il aura senti, vu et compris cela qu'un autre mystère lui sera révélé, qui exigera de lui la lutte la plus violente, la tension ascétique la plus forte. Il découvrira alors en effet combien cette image de Dieu est ternie, déformée, défigurée par la puissance du mal. Blessé par l'amour, il voudra, au nom de cette image, engager le combat contre le diable, devenir l'instrument de Dieu dans cette œuvre terrible et consumante. Et il le pourra, mais à trois conditions. D'abord, qu'il mette en Dieu et non en lui-même toute son espérance. Ensuite, qu'il se dépouille de tout désir intéressé. Enfin, qu'à l'instar de David, il arrache ses armures et se jette dans le combat contre Goliath avec pour seule arme le nom du Seigneur. La vie de Mère Marie en émigration est intimement liée avec l'action chrétienne des étudiants russes. Et nous sommes ici au siège de cette association. Cette association a été créée dans un contexte historique unique, celui qui a suivi la révolution russe et la guerre civile qui a secoué la Russie et qui a poussé à l'exil un nombre très important d'émigrés. Et c'est ainsi qu'en 1923 est née notre association, notre mouvement de laïcs, de la rencontre de trois groupes de personnes. Le premier groupe était constitué de jeunes étudiants qui venaient de quitter le pays et qui étaient entièrement déboussolés et cherchaient un sens à leur vie. Le deuxième groupe était formé de représentants exceptionnels de l'intelligentsia russe, des personnes qui, en Russie, avant la Révolution, étaient passées par le marxisme, et puis finalement, avaient trouvé le sens de leur vie au sein de l'Église orthodoxe. Et ces personnes-là, donc plus âgées, plus expérimentées, on les appelait les professeurs, ces personnes-là, en émigration, se sont sentis investis d'une sorte de mission, d'une responsabilité pastorale à l'égard de cette jeunesse et à chercher à les aiguiller. Et puis, il y avait un troisième groupe constitué de représentants du YMCA, cette fédération protestante, missionnaire protestante, qui avait décidé d'aider cette migration russe en exil. L'événement fondateur de ce mouvement est une rencontre qui a eu lieu en octobre 1923 et qui constitue une véritable expérience spirituelle. C'est-à-dire que ces trois groupes de personnes, très différents, très disparates, se sont trouvés unis autour d'une vision de l'Église. C'est ainsi qu'ils ont formulé ce principe d'ecclésialisation de la vie. Ce néologisme signifie que rien dans la vie de l'homme, rien dans sa vie personnelle, mais également dans sa vie familiale, sa vie sociale, sa vie politique, rien ne doit rester étranger à la lumière vivifiante et transfigurante de l'Église. Vous voyez qu'ils avaient une vision extrêmement large et profonde de l'Église qui ne peut pas être réduite à une institution ou à un bâtiment, ni même à une nation. Nous avons ici quelques documents d'archives qui témoignent de la vivacité de notre mouvement dans les années 20 et les années 30, au moment où Mère Marie était active au sein de notre mouvement. Vous avez par exemple ici des photos exceptionnelles du premier congrès fondateur de notre mouvement, donc dans la bourgade de Pcherov. Et vous voyez que les participants posent ici devant le château. Ils ne sont pas très nombreux, mais il y a ici les représentants les plus remarquables de l'intelligentsia russe en émigration. Pour eux, l'Église, dans la Russie pré-révolutionnaire, était compromise par une soumission et connaissait une sorte de pression de l'État. Et là, précisément, hors de Russie, dans ce contexte exceptionnel où tout en Russie venait de s'effondrer, ils comprennent que non seulement la vie continue, la vie de l'Église continue,
mais qu'en plus, elle va pouvoir vivre d'une vie plus intense, plus dynamique, plus créatrice, justement dans la liberté qu'offrait ce nouveau contexte. Donc ces personnes prennent conscience de la responsabilité qu'ils ont pour le cheminement historique de l'Église, pour sa mission, pour son action dans la société. Alors, Mère Marie a rencontré notre mouvement, l'Action chrétienne des étudiants russes, en 1926, lors d'un des congrès. Ces congrès étaient connus pour être des moments forts, non seulement de la vie de notre mouvement, mais de la vie de l'orthodoxie en général dans l'émigration. Des moments centrés autour de la célébration de la liturgie eucharistique, des moments d'échange, des moments de débat, des moments aussi d'enseignement, où il y avait des conférences, et puis des moments où on cherchait à mieux comprendre quelles devaient être les actions et les missions du mouvement. Mère Marie nous laisse un témoignage tout à fait exceptionnel de cette première rencontre, où elle est frappée d'emblée par la liberté de parole, la liberté aussi spirituelle des jeunes membres présent. Elle est frappée par l'engagement et le sérieux de ces personnes-là, par la profondeur de leurs connaissances et par cette envie de répondre aux défis du moment. Elle est attirée par ce mouvement et elle décide de s'engager dans ce mouvement et elle intègre le conseil d'administration en tant que secrétaire itinérante. Sa mission consistait à sillonner toute la France à la recherche des émigrés russes dans le but de les enseigner, de leur parler de l'Évangile, de l'enseignement du Christ, de la philosophie religieuse. Mais très vite, elle est frappée par l'état de détresse, l'état d'isolement dans lequel se trouvent ces réfugiés qui sont amenés à travailler dans des conditions et à vivre dans des conditions très difficiles, par exemple dans les mines ou les usines du nord ou de l'est de la France. Elle a senti un décalage entre les missions de l'Action chrétienne des étudiants russes, qui étaient plutôt des missions d'enseignement par des conférences, des discussions, des lectures de livres, et la réalité matérielle, spirituelle, morale de ces personnes-là. Ce qui l'a poussée, disons, à l'action. Cette expérience de ces réfugiés disséminés et des conditions difficiles dans lesquelles cette émigration vivait, est une expérience marquante pour Mère Marie. Elle revient au centre à Paris, elle raconte, elle écrit dans la presse de l'émigration ce qu'elle voit et elle dit il faut venir en aide à ces personnes-là, il faut les nourrir physiquement, matériellement, avant de les nourrir spirituellement et intellectuellement. Et c'est là que véritablement est née sa vocation, une action sociale engagée, concrète, au service des plus démunis. Elle s'entoure d'autres intellectuels. Peut-être les deux figures les plus marquantes sont le père Serge Bulgakov, celui que l'on peut considérer comme étant son père spirituel, et puis le philosophe Nicolas Berdiaïev, qui a profondément marqué la pensée et l'œuvre de Mère Marie, en particulier sa philosophie de la personne, qui place la personne au-dessus de tout, comme valeur absolue de tout, dans la continuité directe de l'Évangile. Et donc là, effectivement, elle se place en contradiction directe avec ce qui se passait en Union soviétique, avec l'idéologie communiste qui plaçait au-dessus de tout l'État, le prolétariat comme idée et non pas la personne au sein d'une communauté. Nous sommes dans l'église de l'Institut Saint-Serge à Paris, 93 rue de Crimée, près des buts de Chaumont. Ce lieu nous importe dans le cas de la Mère Marie parce que c'est ici qu'elle a prié et c'est ici qu'elle est devenue moniale. Elle a écrit énormément de livres et beaucoup de poèmes. Elle évolue dans tout un milieu culturel qui fait de la personne, ainsi que de la liberté et de l'acte créateur,
le fondement de sa pensée. La liberté signifie l'inouï que l'on trouve dans la vie en Christ, à savoir une libération totale de l'esprit, et qui donne à la vie spirituelle une tonalité tout à fait nouvelle. Pour Mère Marie, le religieux est génial parce que ça nous libère complètement de tout légalisme et de tout dogmatisme. Et dans les évangiles, c'est bien ce qui se passe lorsque le Christ reprend les pharisiens, les scribes et les docteurs de la loi, qui ont une vision complètement légaliste de la Bible et qui perdent totalement de vue le génie céleste, mais aussi la vocation de l'homme qui est appelé à participer à ce génie. Ce qui veut dire que le religieux n'est pas ce qu'on croit. Ça n'est pas l'expression d'un conservatisme social et rituel, mais c'est bien plutôt le souffle d'une liberté et d'une profondeur intérieure. La vie spirituelle est inattendue. Si vous prenez une parabole, comme la parabole du grain de sénevé, qu'est-ce qui est dit ? En apparence, c'est la plus petite des graines, et en réalité, c'est elle qui donne l'arbre le plus grand. Ça veut dire que les choses ne sont pas ce que l'on croit. Et ce que j'aime beaucoup chez Mère Marie, c'est qu'elle est complètement hors norme. Ni moniale parce que socialiste révolutionnaire, ni socialiste révolutionnaire parce que monéale, mariée deux fois, fumant des cigarettes, très libre dans ses propos, lumineuse, magnifiquement humaine, extraordinairement femme. Là, on a affaire à un souffle, une liberté, un non-conformisme absolu qui n'est pas de l'ordre de la révolte banale, mais qui est vraiment l'expression, la manifestation d'une femme qui est habitée par le souffle de l'esprit. Extrait du livre « Le sacrement du frère » de Mère Marie. La croix du Christ, c'est l'arbre éternel de vie, la force invincible. L'essentiel, le plus déterminant dans cette image de la croix, c'est la nécessité de l'accepter librement. En prenant sa croix sur les épaules, l'homme renonce à tout. Cela signifie qu'il cesse d'être une partie de ce tout, du monde naturel. Il arrête d'obéir aux lois naturelles qui non seulement lui enlèvent sa responsabilité, mais le prive de sa liberté. Où est en effet ma responsabilité quand j'agis comme me l'ordonnent les lois invincibles de ma nature ? Or, voici que le Christ nous a montré, à nous ses frères par la chair, un chemin surnaturel, une voie non pas humaine, mais divino-humaine, un chemin de liberté et de responsabilité. Il nous a dit que l'image de Dieu qui est en nous fait de nous aussi des hommes-Dieu et nous appelle à cette divinisation. Cela afin que, hissant en toute liberté et responsabilité notre croix sur notre épaule, nous devenions véritablement Fils de Dieu. Nous sommes dans le 15e arrondissement, rue Mère Marie Skopsov. Ainsi, le nom de Mère Marie s'inscrit dans la géographie et l'histoire collective. Alors ce lieu a été bien choisi parce qu'il est à deux pas du 77 de la rue de Lourmel. Au 77, aujourd'hui, il n'y a qu'une plaque avec un immeuble collectif, mais on a tenu quand même à y mettre une plaque pour commémorer l'action de Mère Marie dans ce lieu. En effet, à partir de 1935, Mère Marie s'installe ici, au 77, qui devient un véritable lieu de vie multiforme.
Il y a une chapelle qui est construite dans un garage, mais il y a aussi un centre qu'on pourrait qualifier d'humanitaire, un centre caritatif, où Mère Marie nourrit tous les déshérités qu'elle rencontre, les hommes, les femmes. Elle les héberge ici, rue Durmel. Le centre de la rue Lourmel à Paris était un foyer d'accueil. C'était un endroit où les réfugiés russes et toutes les autres personnes, principalement des femmes, pouvaient venir y trouver un abri. Il y avait ainsi beaucoup de chambres qui offraient une pension. Mais la particularité de ce foyer était que Mère Marie n'avait jamais pour seul objectif de nourrir ou de loger ses déshérités. Pour Mère Marie, il était aussi fondamental de les nourrir spirituellement. Dans un texte magnifique, elle dit que ce serait une humiliation de donner uniquement du pain aux personnes sans les soutenir spirituellement. C'est pourquoi elle organisait régulièrement des rencontres avec les membres éminents de l'émigration russe, comme Nicolas Berdaïev, qui parlait de la philosophie de la personne, ou le père Serge Bulgakov, qui parlait du mystère de la Sainte Trinité. Ces dortoirs et cantines se transformaient après le déjeuner en une salle de conférence. Cette maison devenait un centre culturel et spirituel. On peut même supposer que des pièces de théâtre ont été jouées rue Lourmel, car Mère Marie, même après sa tonsure, continuait à écrire des poèmes et des pièces de théâtre, à peindre des icônes et faire de la broderie. Cela suscitait pas mal d'incompréhension parmi certains fidèles qui considéraient que la moniale orthodoxe devait plutôt se consacrer totalement à une vie de prière. L'art étant vu comme une manifestation de l'ego personnel de l'artiste en quête d'une vaine gloire. Mais Mère Marie avait une vision totalement différente de l'art. Au contraire, pour elle, l'art était le moyen le plus accompli de louer Dieu, le Créateur. Plusieurs moniales se sont installées rue Lourmel avec la Mère Marie. Au début, tout allait bien, mais peu à peu, des désaccords sont apparus. Le comportement de Mère Marie leur était incompréhensible. Mère Marie pouvait en effet manquer des célébrations parce qu'elle devait se rendre au marché, parce qu'elle passait du temps dans la cuisine à discuter, consoler des hébergés. Pour Mère Marie, l'écoute des plus faibles, l'aide aux indigents, était fondamentale et même parfois prioritaire aux autres obligations et même aux obligations religieuses. Comme elle disait souvent, lorsque le monde brûle, nous n'avons pas d'autre choix que de brûler avec lui. Mère Marie est une forte personnalité, une personnalité avec qui tout le monde ne s'entend pas, notamment, je dirais, ceux qui sont très formalistes. De temps en temps, on la voit s'arrêter dans des cafés pour boire de la bière, habillée avec donc son habit de moniale orthodoxe. On raconte aussi parmi les anecdotes qu'un jour Trotsky est venu la visiter. Donc Trotsky, l'un des grands artisans de la révolution bolchevique de 1917, le créateur de l'armée rouge, un très proche de Lénine, mais qui a été écarté par Staline du pouvoir, il quitte la Russie. Il passe par Paris et à Paris, il souhaite rencontrer Mère Marie, dont il a beaucoup entendu parler. Et ils ont une conversation presque de vieux amis, d'une certaine manière. Ils ont été adversaires politiques en 1918, quand Mère Marie était avec les socialistes révolutionnaires et que Trotsky, lui, bien sûr, était avec les bolcheviques. Et même un temps, Mère Marie avait eu le projet de l'assassiner. Mais finalement, elle n'a pas mené ce projet à exécution, comme nous le savons. Et Trotsky souhaite faire quelque chose pour Mère Marie, sachant qu'en plus Mère Marie a épargné sa vie. Donc Trotsky, finalement, à court d'arguments, lui dit « Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Et à ce moment-là, elle lui dit « Écoutez, payez la note de charbon que j'ai juste à côté. » Et elle lui donne la facture qui était très importante parce qu'elle avait beaucoup de dettes pour pouvoir chauffer donc tous ses pensionnaires. Et c'est ainsi que Trotsky a payé une des factures de Mère Marie. Nous,
La vie du centre Lourmel a changé d'une manière radicale durant l'occupation de Paris en 1940. Mère Marie s'est retrouvée avec beaucoup de soucis. Encore plus de personnes venaient dans la cantine qu'elle avait ouverte. Il n'y avait plus de place pour loger les nouveaux. Les gens dormaient sur le plancher, dans les chambres de bonne, partout. Dès le début, Mère Marie participe au mouvement de la résistance. Elle fréquente un des groupes de la résistance qui se trouvait à Dourdan, qui se composait principalement de Russes. Elle y venait, faisant semblant d'y acheter de la farine, parce qu'il y avait un grand moulin là-bas. Ce groupe était lié avec tous les autres groupes de la résistance française. C'était de petites cellules qui ne communiquaient que très peu entre elles. L'activité de la Mère Marie était très risquée. Tout le monde lui disait qu'elle prenait trop de risques. Mais elle n'avait pas peur. Sans aucune crainte, elle a commencé à écouter les retransmissions publiques de la BBC concernant les derniers événements sur le front de guerre. De plus, cette radio était suspendue juste à côté de la fenêtre donnant sur la rue où tous les passants pouvaient l'entendre. Après, elle avait une grande carte des actions militaires accrochée au mur. Et chaque fois, elle y notait les progressions des troupes soviétiques avec des petites aiguilles ornées de rubans rouges. Elle disait ouvertement à tous ceux qu'elle rencontrait qu'elle détestait Hitler. Elle allait au marché de Paris, où les marchands lui donnaient beaucoup de nourriture pour sa maison, car tout le monde la connaissait. Le 15 juillet 1942 a eu lieu la rafle du Vélodrome d'hiver à Paris. Les nazis ont arrêté 13 000 juifs, dont 4 000 enfants. Tous ont été rassemblés sur le vélodrome près de la rue de Lourmel. Ils y ont été enfermés pendant environ 2 semaines, sans nourriture, ni eau, ni toilette, en attendant leur déportation dans les camps de concentration. La Mère Marie s'est servie du fait que les nazis permettaient aux prêtres d'entrer dans l'enceinte du vélodrome. Elle y est entrée plusieurs fois dans son habit monastique pour voir ce qui s'y passait et pour étudier les possibilités de fuite. Ainsi, elle a élaboré un plan pour sauver quelques petits enfants. Avec l'aide de quelques éboueurs, elle a caché 3 ou peut-être 4 enfants dans leur sac poubelle qu'ils ont réussi à sortir du vélodrome avec les déchets. Puis, les amis de la Mère Marie les ont transférés dans d'autres villes. Vous savez, il arrive des moments où ne sauver que 3 âmes, c'est déjà beaucoup. La position de Mère Marie était très claire dès le début de l'occupation. D'un côté, la maison de la rue Lourmel délivrait une aide concrète à tous les indigents. De l'autre, elle organisait une activité clandestine. Mère Marie, en collaboration avec le père Dimitri Klepinine, prêtre de l'église du centre Lourmel, délivrer de faux certificats de baptême aux Juifs. Ainsi, les Juifs pouvaient non seulement trouver un abri dans cette maison, mais aussi recevoir des certificats qui étaient pour eux une sorte de mandat de protection contre la déportation et contre la mort. Évidemment, une telle activité ne put rester longtemps inaperçue. Mère Marie fut dénoncée. Sa dénonciatrice fut une des femmes logées et nourries dans le centre Lourmel. Les nazis arrêtèrent d'abord le fils de Mère Marie, Yuri. Il se retrouva à la Gestapo, puis elle-même reçut une lettre qui lui disait de se rendre à la Gestapo si elle voulait que son fils soit libéré. Elle s'y rendit sans hésitation, mais ni elle, ni son fils, ni le père Dimitri n'ont jamais été libérés. Ils furent d'abord envoyés dans le camp de transition de Romainville, où le sort des déportés était décidé. Puis le père Dimitri et Yuri furent envoyés en 1944 dans le camp de concentration de Dora, alors que Mère Marie fut déportée dans le camp des femmes à Ravensbrück, en Allemagne. Ce camp était connu comme le lieu dont l'on ne revenait pas à cause de son emplacement au nord de l'Allemagne, à cause de son climat très défavorable et du travail insupportable.
Extrait du livre Le Sacrement du Frère de Mère Marie. La liberté oblige. La liberté appelle à se sacrifier pour ceux qu'on aime. La liberté détermine l'honnêteté et la rigueur envers soi-même, envers sa voix. Nous n'avons pas le droit de nous fixer indéfiniment et avec attendrissement sur le passé. Seule la flamme intérieure authentique compte dans la vie religieuse. On ne peut figer une âme vivante dans un ensemble de règles qui ont été, en leur temps, l'expression d'autres âmes vivantes. Les âmes nouvelles, à leur tour, demandent à s'exprimer. On ne peut prendre l'Église comme une perfection esthétique et se contenter de tomber en pâmoison. La liberté donnée par Dieu nous appelle à l'activité et à la lutte. Ce serait, dès lors, un grand mensonge que de dire aux âmes en recherche « Allez à l'église parce que là, vous trouverez la paix ». Tout au contraire, il faut dire à ceux qui sont apaisés et dormants « Allez à l'église parce que là, vous sentirez la véritable angoisse pour vos péchés et pour votre perte, pour les péchés et la perte du monde. Là, de tiède, vous deviendrez ardent, d'apaisé, vous deviendrez alarmé, de connaisseur de la sagesse de ce siècle, vous deviendrez des folles en Christ ». C'est à cette folie en Christ que nous appelle notre liberté. La liberté nous appelle à nous opposer au monde entier, à contrer non seulement les païens, mais aussi de nombreuses personnes qui ne sont chrétiennes que de nom. Devenons les folles en Christ, non seulement parce que nous savons la difficulté de cette voie, mais aussi à cause de l'immense félicité qui naît de sentir sur nos œuvres la main de Dieu. Ravensbrück a été érigé comme le camp de concentration central du régime nazi. Entre mai 1939 et avril 1945, 120 000 femmes ont été emprisonnées à Ravensbrück. La majeure partie étaient des prisonnières politiques, mais également des prisonnières persécutées pour des critères raciaux, ainsi que les soi-disant criminels, c'est-à-dire des personnes caractérisées comme asociales. La plupart des prisonnières étaient polonaises, avec plus de 66 000 femmes, puis environ 20 000 femmes soviétiques, ainsi que presque 8 000 françaises. En 1944, plus de 60 000 nouvelles prisonnières sont arrivées ici. Cela veut dire qu'en cette période-là, le camp a été complètement surchargé et que les baraques étaient pleines à tel point que les femmes étaient obligées de partager chaque lit avec 3 ou 4 autres personnes. Les espaces sanitaires n'étaient pas suffisants, ce qui signifiait que les femmes ne pouvaient pas se laver, ni laver leurs vêtements, ni leur vaisselle. Cela provoquait de nombreuses maladies, des puces, des épidémies. En 1944, la direction du camp ne donnait que 200 grammes de pain chaque jour, une tasse de soi-disant café le matin et un demi-litre de maigre soupe de légumes. Derrière moi, vous voyez un grand bâtiment en briques. Ce sont les restes de la production textile qui a été organisée dans le camp. Il y avait de grandes machines pour produire les vêtements des prisonnières, ainsi que les uniformes des soldats SS et de la Wehrmacht. À partir de 1944, de plus en plus de femmes du camp ont travaillé à la production de différents armements dans les usines du Troisième Reich. À l'intérieur du camp, il y avait aussi des ateliers spécifiques, soi-disant ateliers de tricotage, où les femmes devaient tricoter 5 paires de chaussettes par semaine. C'était un travail très difficile. Nous savons que Mère Marie travaillait dans ces ateliers où elle tricotait des chaussettes pour les soldats allemands. Je suis ici, à la place de l'ancienne baraque numéro 27, qui a été appelée bloc français. Nous pensons que Mère Marie était dans ce bloc. Beaucoup de femmes perdaient leur foi en Dieu
parce qu'elles ne pouvaient plus imaginer un Dieu d'amour après tout ce qu'elles avaient dû endurer dans ce camp. Mais pour les autres, au contraire, la foi leur donnait l'espérance. Et nous savons que de petits groupes de prières ont été organisés. Les prisonnières priaient soit à l'intérieur des baraques, soit elles se rencontraient derrière les bâtiments. Et nous savons que Mère Marie animait ces groupes de prières. Nous savons également que différents événements culturels ont été organisés en cachette dans le camp. Il s'agissait de chorales, même de pièces de théâtre jouées en secret. Les SS essayaient de débusquer tous ces groupes. Il y avait des fonctionnaires et des prisonniers payés par les SS pour dénoncer ces groupes. Ainsi, si vous étiez dans un grand groupe où vous pouviez faire confiance à vos compagnons, vous pouviez prendre part à des activités à l'intérieur des baraques. Sinon, vous vous réunissiez en petits groupes à l'extérieur des baraques ou dans les allées du camp. Au camp de Ravensbrück, Mère Marie est à la fois un personnage fort, qui se tient droit, debout, qui ne courbe pas la tête. C'est un personnage qui rassemble autour d'elle, évidemment clandestinement, puisque même se rassembler pour pouvoir parler était interdit et passible de mort. Donc, avec main de précaution, je pense qu'il y avait des résistantes déportées qui faisaient le guet pour protéger le rassemblement. Elle faisait des conférences sur la poésie russe, sur sa foi, et à des déportés qui avaient d'autres confessions ou pas du tout de foi. Et le fait de pouvoir échanger dans cet univers sauvage, barbare, brutal, se rappeler des vers d'Alexandre Bloch, d'Akhmatova ou de ses propres vers qu'elle pouvait dire, partager des sentiments autour d'une foi ou autour d'idéaux sociaux. Tout cela, c'était continuer à maintenir sa propre humanité et ne pas devenir simplement ce que les gardiens des camps et les dirigeants des camps voulaient, des objets, des numéros. Dans le camp, Mère Marie continuait à broder. On peut dire que sa nature créatrice ne pouvait pas s'arrêter. Elle n'avait ni peinture, ni crayon. Tout cela était interdit et n'existait pas dans le camp. Un jour, Mère Marie avait eu l'idée de réaliser une broderie qui s'appellerait « Débarquement des Alliés ». Et les co-détenus, ces femmes avec lesquelles elle communiquait et à qui elle racontait sa vie, ont décidé de l'aider. Une des prisonnières a trouvé les câbles électriques dont les gaines étaient isolées par les fils colorés. Elles les ont démêlés, elles ont fait des aiguilles à partir de quelques os de poissons. Une des prisonnières a procuré un foulard qu'elles ont réussi à blanchir. Et ainsi, peu à peu, Mère Marie a fait cette broderie du débarquement des Alliés, très symbolique. En effet, c'était l'événement qu'elle attendait beaucoup. Elle a voulu broder aussi une icône de la Mère de Dieu avec le Christ. Elle disait toujours que si elle réussissait à la terminer, alors, elle sortirait vivante du camp. Elle ne l'a pas terminée, et aujourd'hui, nous n'avons qu'une esquisse de cette icône parvenue par une de ses amies. Derrière moi, vous avez un bâtiment que les prisonnières appelaient « bunker ». Il y avait 78 cellules utilisées pour les punitions et tortures des prisonnières. Elles pouvaient y être enfermées dans l'obscurité, sans nourriture. Mais c'était aussi un bâtiment où les prisonnières spéciales étaient gardées. Une de ces prisonnières était Geneviève de Gaulle, qui connaissait très bien Mère Marie.
Lorsque les commandants SS ont su que Geneviève était la nièce du général de Gaulle, ils l'ont enfermée dans ce bunker en pensant pouvoir l'échanger avec un prisonnier allemand de haut grade. Oui, j'ai connu Mère Marie, comme d'ailleurs toutes mes camarades françaises, car elle était très connue et très aimée parmi nous. Elle m'a d'ailleurs précédée à Ravensbrück. C'était ce que nous appelions le convoi des 19 000. Et Mère Marie était dans un bloc de Françaises, le bloc 27. Et je me souviens que le jour de Pâques, nous avons pu nous promener auprès de ce bloc. Et il y avait, sur toutes les fenêtres du bloc, le merveilleux découpage en papier. J'ai demandé qui les avait faites. Il dit, c'est une artiste. On m'a dit, oh, c'est une religieuse orthodoxe, Mère Marie. Et c'est ainsi que j'ai fait la connaissance de Mère Marie. Puis alors, après ça, nous l'avons vue assez souvent. Je dis nous parce que nous étions un groupe de jeunes, une jeune étudiante, si vous voulez, qui étions absolument fascinés par la personnalité tellement riche de Mère Marie. Et souvent, quand nous pouvions nous échapper, nous allions la retrouver et nous lui posions toutes sortes de questions sur sa vie, qui était en effet une vie assez prodigieuse. Ce qui frappait d'abord quand on voyait Mère Marie, c'était son extrême bonté. Elle rayonnait la bonté. Et elle avait d'ailleurs quantité de relations à l'intérieur du camp. Elle voyait beaucoup les soldats russes, groupe de nos camarades qui étaient des auxiliaires de l'armée soviétique et auxquels on n'avait pas reconnu la qualité de prisonniers de guerre, qui étaient avec nous dans le camp de concentration. Des femmes très courageuses, très solidaires. Mère Marie allait souvent les voir, était très bien accueillie parmi elles. Et Mère Marie allait aussi voir toutes les femmes de village russe qui avaient été en entier déportées, n'est-ce pas ? Elles aussi, elles aimaient Mère Marie qui allait voir chacune d'entre elles. À travers toute cette générosité, cette ouverture de cœur, cette attention aux autres, on sentait chez Mère Marie une vie intérieure extrêmement profonde. Mère Marie est tombée malade. Elle devenait de plus en plus faible. Elle partageait ses portions de pain avec les autres, souvent en ne mangeant pas elle-même. Elle souffrait de dystrophie, de dysenterie, d'affaiblissement grave. C'était la période pendant laquelle la machine nazie du camp travaillait à un rythme accéléré, parce qu'en février 1945, les tirs de canon de l'artillerie soviétique approchaient et étaient déjà bien entendus dans le camp. Ainsi, les nazis ont commencé à envoyer dans les chambres à gaz de plus en plus de personnes. Vu l'état de la Mère Marie, son sort n'était qu'une question de temps. Ses compagnons ont essayé par tous les moyens de la sauver, de la cacher sous les couchettes ou ailleurs, mais à un moment donné, il est devenu tout simplement impossible d'éviter sa mort. Et un jour, la Mère Marie s'est retrouvée dans la file de sélection pour les chambres à gaz. On dit qu'il y avait une fille à côté d'elle sélectionnée pour la mort. Et la Mère Marie a pris son numéro, ce qui a sauvé peut-être la vie de cette fille. Ainsi, la Mère Marie est allée à la mort à sa place. Nous sommes à l'emplacement de l'ancienne chambre à gaz qui a été édifiée en janvier 1945. Nous savons qu'ici, 150 personnes pouvaient être gazées à la fois. Au moins 2300 personnes ont été tuées ici. C'est l'endroit où Mère Marie a été tuée. Son corps a été brûlé avec les autres personnes dans ce crématorium. Les cendres, très probablement, ont été dispersées aux alentours du camp ou jetées dans le lac. Extrait du livre « Le sacrement du frère » de Mère Marie. 2000 ans ont passé depuis la résurrection du Christ, mais les hommes continuent de mourir. Cela veut-il dire que la mort a gardé son aiguillon?
qu'elle n'a pas été terrassée ? Du point de vue de notre existence terrestre, la réponse est oui. Car ceux que nous aimons disparaissent et nous-mêmes, nous nous rapprochons inéluctablement de notre mort. Cependant, notre foi non seulement nous force à rêver que cette mort est en réalité une naissance, mais elle nous montre comment se réalise cet enfantement. Comment le Christ, Fils de Dieu, revient dans la maison du Père. Comment de son anéantissement temporaire, il naît à l'éternité à travers ses souffrances de Golgotha. Et pas seulement lui, le Christ, mais en lui, toute l'humanité qu'il assume naît à son tour à la vie éternelle à laquelle elle est prédestinée. Là, en vérité, la mort perd son aiguillon. Car de mort, elle devient naissance. Et toutes nos souffrances terrestres, tout le mal et tous les clous de Golgotha sont des douleurs de l'enfantement qui nous ouvrent les portes de notre patrie céleste et éternelle. J'attends la résurrection des êtres que j'aime, déjà nés à l'éternité. Et pour pouvoir accéder à la maison de Dieu et y demeurer avec tous ceux qui sont déjà passés ou qui vont passer par ces douleurs de naissance, je suis prête à payer de n'importe quelle souffrance terrestre de mon corps terrestre et de mon âme. Et je jubile même à l'idée d'avoir à passer par la nécessité de cette douleur et de ce chagrin. Peu m'importe. Je m'appelle Patricia McDwyer et je suis la cofondatrice de cette maison Maria Skoptsova à Calais. Cette maison a été ouverte en février 2016, alors qu'il existait encore à Calais le grand camp de migrants qu'on appelait la jungle de Calais et qui regroupait jusqu'à 10 000 migrants à l'époque. Cette maison a été ouverte principalement au départ, initialement pour y accueillir les volontaires qui œuvraient sur ce grand camp. Et très vite, elle a élargi l'accueil aux personnes les plus vulnérables de Calais, c'est-à-dire les migrants qui étaient en danger sur le camp. Et cette maison Maria Skoptsova est ouverte principalement aux femmes, aux enfants qui sont en danger dans la rue en attendant leur passage au Royaume-Uni. Il m'est difficile de dire combien de personnes nous accueillons, parce qu'on ne comptabilise pas, mais il est vrai qu'il est arrivé que cette maison soit peuplée. Aujourd'hui, la maison est vide. Il y a une ou deux pensionnaires dans leur chambre là-haut, qu'ils ne se montreront pas à la caméra parce qu'elles ne souhaitent pas être filmées. Mais aujourd'hui, toutes les personnes qui étaient ici hier ont été appelées par leurs passeurs en vue d'un passage, cette nuit ou dans deux nuits, de l'autre côté de la Manche. La maison s'est ouverte parce que nous avons constaté à trois personnes, le frère Johannes, le moine bénédictin de l'église vieille catholique de Belgique, le Simon Jones, un pasteur baptiste britannique et moi-même, qu'il y avait un grand besoin d'un lieu plus sécurisé que celui de la jungle pour les personnes qui étaient en danger. On était assaillis par la multitude des problèmes et des scandales de cette situation, ne sachant pas du tout par quel bout trouver une solution et une solution de repli pour les volontaires qui étaient là et qui n'avaient pas où dormir la nuit. On se débattait dans des problèmes pratico-pratiques, ne sachant pas comment résoudre et comment apporter une aide à ces jeunes. À ce moment-là, le frère Johannes me tend ce livre qui est le sacrement du frère de Mère Marie. J'ouvre ce livre. La première citation sur laquelle je tombe était la suivante. Mère Marie dit « Je sais pourquoi je ne trouve pas de solution. Parce que chacun de nos frères exige de nous notre vie entière, ni plus ni moins. Ce ni plus ni moins a en fait dénoué tous les problèmes qu'on se posait et nous a fait réaliser qu'en fait, il s'agissait uniquement de tout concentrer sur mon frère et de me poser juste la question de quoi a-t-il besoin, et que si je mettais toute mon énergie là-dedans, et que je savais que c'était pas moi qui allais résoudre les problèmes, que ce n'était pas moi, Patricia, qui allait trouver des solutions là où il n'y en avait pas, mais que c'était le bon Dieu à travers moi,
et que c'était à moi à demander au bon Dieu de m'utiliser pour mettre en place une solution. À ce moment-là, je savais que la solution arriverait. Et effectivement, dans les 48 heures, notre association était composée, et là, dans la semaine, cette maison était ouverte. Il s'agissait juste de répondre à l'appel de Mère Marie qui dit « Mets toute ton espérance en Dieu et pas en toi. Et tout ce qui t'est demandé, c'est d'aimer ton frère et de donner ta vie pour lui, ni plus ni moins. » Donc cette radicalité en Christ de Mère Marie, je ne l'avais entendue formulée comme ça que de sa part à elle. Alors, ce qui est important dans cette maison chez Maria Skoptsova, c'est que ce n'est pas juste un hébergement, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de partager un moment de vie avec les personnes qui franchissent le seuil de cette maison. Donc, ces personnes qui viennent et qui sont sur les routes depuis si longtemps retrouvent sous ce toit un lieu où elles peuvent vivre normalement leur vie de citoyen, leur vie de personne à part entière et pas juste avec cette étiquette réductrice d'exilés ou de migrants. Les femmes sont ravies de pouvoir faire la cuisine, de pouvoir s'occuper de leur enfant dans une vraie maison. Et aussi, très souvent, ce qui est merveilleux, c'est que les personnes accueillies qui viennent d'horizons très différents et de pays très différents, Soudan, Somalie, Érythrée, Cameroun, Iran, toutes ces personnes qui viennent partagent la table ensemble, prient ensemble, ou en tout cas respectent la prière des autres ensemble, apprennent à connaître l'inspiratrice de cette maison, c'est-à-dire Mère Marie, vouent à cette personne une reconnaissance sans limite et se laissent inspirer dans leur vie, aujourd'hui, par cette personne qu'est Mère Marie. Ça, c'est la beauté de l'esprit de cette maison. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Mère Marie disait, je ne veux pas être un souvenir, je serai un appel. Et dans ce monde où tout nous appelle au désespoir, elle est celle qui dit que non, nous avons déjà de bonnes raisons d'espérer, parce que si nous faisons la route avec Dieu, nous sommes déjà sur le bon chemin. Elle vivait une époque où le scandale des camps de concentration, le scandale de la guerre, le scandale des exils, elle a vécu ça, comme aujourd'hui nous pouvons vivre le scandale des personnes qui fuient la Syrie, l'Iran et l'Ukraine aujourd'hui. La situation se répète, donc son appel est d'actualité, partout et auprès de tous. La Mère Marie reste quand même une flamme, n'est-ce pas, de ce que peut être un véritable engagement au service du frère. Elle a essayé de vivre ce que dit Jean Chrysostome, qui a la liturgie, et puis après il y a la liturgie après la liturgie. Et la liturgie après la liturgie, c'est le sacrement du frère, c'est-à-dire de porter l'amour que nous recevons dans la célébration liturgique, porter cet amour de Dieu qui nous est offert et le porter au monde. Dans notre vie contemporaine, je crois que l'image et la personnalité de Mère Marie nous interpellent parce que aujourd'hui, on est dans un monde où on glorifie celui surtout qui est productif, celui qui manifeste des dons et ainsi de suite. Mais les petits, n'est-ce pas, les petits, on les oublie. Et Mère Marie nous dit, attention, n'oubliez pas vos frères petits, vos frères pauvres, vos frères qui ont besoin d'amour, qui ont besoin d'écoute, qui ont besoin de manger, tous ces besoins primaires. Il faut donner d'abord cela, et avec ce don, avec cette générosité, vous faites passer aussi l'amour de Dieu. Parce que si nous, nous ne faisons pas passer l'amour de Dieu par nos mains, par nos paroles, par notre comportement, où les gens vont voir cet amour incarné? Et la Mère Marie, c'est cet amour incarné.